L'école, lieu d'apprentissage, de formation et d'éducation où sont enseignées plusieurs valeurs, notamment la propreté de l'environnement. Une réalité à laquelle adhère l'Agence nationale de la salubrité urbaine. La NASUR initie donc un concours pour impliquer davantage les élèves dans la protection de leur environnement scolaire. L'école est un terreau fertile pour éduquer nos enfants, pour leur inculquer les bonnes manières. Les enfants vont à l'école et ils apprennent donc ces bonnes manières et à la limite ils corrigent les parents, ils corrigent l'entourage. La propreté des classes et des latrines, la collecte des ordures et l'embellissement de l'école. Quelques critères de choix et trois écoles primées, Kokodi Danga, Akwe Santé du Bengéville et le groupe scolaire Cipores de Yopougon. La salubrité en milieu scolaire faisait partie de nos habitudes avant ce concours. Aujourd'hui n'est qu'un couronnement. Chez nous, chaque élève est un peu le gendarme à côté de son ami. Et nous ne laissons pas tomber un seul bout de papier à terre. C'est des valeurs qu'il faut inculquer à nos enfants, ceux qui seront les responsables de demain. Et il est tout à fait utile de leur montrer comment on doit vivre dans la société. Ce concours est venu pour nous épauler un peu, parce qu'ils nous ont donné du matériel. Et avec ça, nos enfants continuent la propriété des écoles. Ce concours, lancé depuis le 24 octobre 2013, a mis en compétition 52 établissements scolaires du district d'Abidjan.